tout le monde, c'est Ivincy pour une nouvelle vidéo sur Crysis 2. Donc je vais vous laisser écouter les cinématiques. Donc je remercie Kevlin83300. Donc je vous laisse découvrir tout ça, tout ça. C'est quoi le topo? Attends qu'on donne l'ordre de déploiement. Jusque-là, mets-la en veilleuse, Marine. Y'a personne à buter, Folsom. Ça doit être une crise humanitaire, une épidémie d'Ebola ou une connerie dans le genre. Dis-lui, Alcatraz. Alcatraz est pas très loquace ce matin. Contrairement à ce qu'on dit, la tequila, c'est dangereux pour la santé. Hein, fais oui de la tête, ça suffira. Il émerge. Bon, bref. C'est du délire. Une unité d'élite entière pour une simple évasion. Il y a de la foire au bastos là-dessous. Je les sens, ces trucs-là. Je te parie ce que... Lâche-moi un peu. Écoutez-moi, Marines. Faut qu'on retrouve ce Dr. Cool. Enfilez votre matos et bougez-vous le cul. 10 minutes, à mon signal. Qu'est-ce que je disais? C'est pas avec un M16 qu'on arrive à déloger un virus. Ouais, mais il faut ramener Ghoul vivant, ok? Eh, hey, il paraît que c'est une invasion alien. Mais bien sûr, des aliens illégaux. C'était quoi? Le sous-marin a été attaqué par des aliens. Donc les aliens, je crois que c'est des robots super développés, super modernes. On va dire que c'est comme ça. Donc l'éditeur de Crysis 2, c'est Electronic Arts. Le développeur, c'est Crytek. Donc il est sorti le 24 mars en Europe. C'est un FPS. Il est disponible sur PC, PlayStation 3 et Xbox 360. Il est déconseillé au moins de 18 ans. Et il y a des nouveautés en fait. Le jeu a été développé surtout pour les télé HD. Le jeu est compatible en 3D, attention je ne suis pas très sûr, mais que pour PlayStation 3 et PC. D'ailleurs, ils ont inventé un nouveau moteur graphique, enfin, une nouvelle génération de moteur graphique qui est le CryEngine 3. Donc à mon avis c'est pour le graphisme, comme, vous l'avez pu, enfin, comme vous pouvez le deviner. Et donc voilà, donc c'est un FPS. Donc ça se passe en 2023. Et voilà, je vais vous laisser aussi découvrir un peu le début du jeu, parce que je découvre en même temps que vous, mais je me suis quand même informé avant de commenter pour pas que je dise n'importe quoi. Donc je remercie Kevlin83300 qui m'a permis de pouvoir commenter cette vidéo. Et normalement, s'il veut bien, donc je pense qu'il veut bien, me passer d'autres vidéos pour que je les commente. Parce que moi, malheureusement, je peux pas m'acheter tous les jeux. Et j'ai peut-être pas forcément envie de tous les acheter. Voilà. Donc là, nous sommes sortis du sous-marin. Donc, ouais, c'est vraiment un univers apocalyptique. On peut voir New York dans tous ses états. Donc le personnage qu'on joue apparemment c'est Alcatraz, et c'est un personnage assez bizarre vu que ses camarades se foutaient un peu de lui au début. Wow, la statue de la liberté, c'est vraiment oh c'est bon. On va écouter un peu ce qui se passe.
Donc comme vous avez pu le constater, les aliens sont des robots. Et là, il y a... Où sont les un sauveur. Et le sous-marin. Tiens, on dirait le même personnage qui est sur la boîte du jeu. En tout cas, même sur les trailers du jeu. C'est ton nom. Alcatraz. Attendez. Rôle de destin. Oh, le jeu de mots. Alcatraz de la prison. Wow. Génial. Donc... Oh, et la musique, il met bien dans l'ambiance et tout, pour faire style super-héros, c'est... Ah, c'est bien fait, quand même. Donc ça, ça doit être des gènes... Le programme génétique. Donc apparemment la combinaison de... Enfin je pense que c'est un humain. Doit être une combinaison un peu d'alien. Et il s'en sert, donc ça peut améliorer ses aptitudes. Donc la vision et tout. Ah, il peut tout savoir. Tranquille. D'accord. Ah d'accord, donc là à mon avis Kevlin ne devait pas jouer. Ça devait être une vidéo un peu présentation. Parce qu'il y a, marqué appuyer sur X pour passer. Oh là, qu'est-ce que ça me fait baver. Donc ça doit être des représentations. Donc attendez. Invisibilité. Ah d'accord, on va peut-être nous présenter aussi les différents pouvoirs que peut posséder le personnage. Donc là on a pu voir qu'il avait changé quelque chose dans son corps pour qu'il devienne invisible. Ah ouais, donc là c'est un truc tout dur. Non, peut-être que je me trompe. Ok, tranquille le mec. Eh ben il se fait pas chier, hein, dis donc. Presque invincible. Ok, c'est vraiment... Ah ouais, et là ça va être les muscles, non? Ça va devenir tout gros. Oh, c'est génial. Il a l'air vraiment pas mal le jeu. Après je peux pas trop dire vu que j'y joue pas, je le commente, mais disons que de voir ça comme ça, c'est vrai que ça donne envie d'y jouer. Donc le seul truc que je n'ai pas encore compris, c'est pourquoi le mec tue des... Bah, des humains, donc si je pense que c'est un humain. Pourquoi ça, je ne sais pas. Peut-être parce que les humains le prennent pour un méchant ou un traître. Donc là, c'était plutôt une présentation des pouvoirs, apparemment. On dirait un peu le... Je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez vu ma vidéo commentée sur Killzone. Ça me fait penser un peu à Killzone, là, les petits détails à droite et à gauche de l'écran. Donc là, on a une personne qui est décédée. Pas mal de sang. Alors, voyons. Alcatraz, je veux rien de plus. Va falloir faire avec les moyens du bord. Tu es ma dernière chance. La dernière de Gould. La dernière pour nous tous. Je suis foutu. Je suis plus qu'un mort en sursis. Je suis contaminé. Mais toi, tu peux aller au bout. Ils le font. Ils le font. Bienvenue dans le futur.
Bienvenue dans la guerre. Ah oui, un dernier truc. Elle me laissera pas filer comme ça. La symbiose. Je dois rompre le lien. Je te donne ma combi. Je te donne ma vie. Promets-moi. Trouve Gould. C'est mon dernier espoir. Tu es mon dernier espoir. Avant, on m'appelait prophète. Souviens-toi de moi. D'accord. Donc Nathan Gould n'est pas un méchant. C'est un gentil, un professeur ou un docteur, si je me souviens bien. Donc le prophète était contaminé peut-être par les aliens. Et donc il lui passe la combinaison. Il a dû se tuer pour pouvoir enlever sa combinaison. D'après ce que j'ai compris, on va dire. Oh, c'est vraiment beau, hein. Parce qu'en général, c'est vrai que les cinématiques, elles sont super bien faites. Mais après, le jeu, peut-être qu'il est moins bien fait. Mais ça me donne l'eau à la bouche, vous voyez. C'est vraiment pas mal foutu. C'est cool. Attends. Bonjour. En fait. Ah oui, d'accord, il lui a donné son... Parce qu'ils peuvent communiquer à distance. Donc il peut sauter super haut déjà. Écoute-moi. Je sais pas si tu peux m'entendre, mais ils viennent te chercher. Il faut que tu trouves les Marines. D'accord. Par contre, le viseur me fait un peu bizarre de l'arme sans tirer. Enfin, sans viser, je veux dire. Pensez comme moi que c'est magnifique. On est bien d'accord. Le viseur tactique nous fournit d'importantes informations. Est-ce que c'est des humains des... Utilisez notre radar pour obtenir des données tactiques cruciales et connaître les emplacements de stock d'armes et d'équipements. La fonction zoom vous permet d'évaluer à distance les situations auxquelles vous êtes confronté. C'est une super combinaison ça, si elle nous aide à ce point-là. En fait, écoute-moi. Le sel est à ta recherche et il rigole pas. Je t'envoie mes coordonnées. Rejoins-moi dès que tu peux. Traversez le temps. Alors, est-ce qu'il va y avoir du fight? Ah, apparemment, ouais. Ah ouais, d'accord, ils ont tous des combinaisons super puissantes, mais lui, il a l'air d'avoir une combinaison, disons, un peu plus évoluée que le reste. Mais c'est bizarre quand même que le personnage arrive à se repérer comme ça. Enfin, je veux dire, connaissent l'histoire peut-être. Qu'on nous a pas tout dit au début du jeu. C'était quoi ça? La jauge de furtivité indique si l'ennemi vous a repéré. D'accord. Donc là, on est invisible. Le camouflage vous rend temporairement invisible et indétectable. Vous pouvez ainsi infiltrer les positions ennemies. Le moindre déplacement draine rapidement l'énergie de la nano-combinaison en mode camouflage. Ouais, donc c'est pas. Illimité, faut pas trop bouger. Okay. C'est vraiment passionnant. Donc à mon avis, eh bien je vais vous laisser sur ce début de combat. Donc ce jeu, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment une claque graphique. Par contre, dites-moi dans les commentaires si niveau graphique vous préférez Killzone 3 ou Crysis 2. Et bien sûr, niveau scénario tout, même c'est complètement différent, c'est pas la même histoire, on est bien d'accord. Si vous...